Hey, tonton Hugo, pardon, donne-moi un peu la liste des 22 joueurs pour le match amical au Mexique là. Je pense que vous avez trop attendu. En vrai, on a trop attendu, tonton. Et on ne doit pas trop attendre. Coach, laisse-nous les théories. Donne-nous la liste. Merci, monsieur le team manager. Papa. Quoi? Merci, monsieur le team manager. Qui, tonton? Team Press, autant pour moi. Coach, tu as recommencé. Bref, continue. On a pu sélectionner 22 joueurs. On y va. Qui sont? Alors, gardien de but et Passy Devi, Bambé Marcelin, Ondoa Fabrice, défenseur. Hey, on en est où? Bref, continue. Défenseur, Faye Collins, Kolo Nicolas, Nolo Tolo, Omar Gonzalez, Bokele Malcolm, Chato Enzo, Baïzo, Olivier. En milieu de terrain. What? Non, le père, laisse-le aller jusqu'à la fin. Continue. En milieu de terrain, Koundé Malon, Cham Olivier, Onana Jean, Benjamin Eyot, Onla Martin, Kemen Olivier. En attaque. Mon frère. Ouah, laissez-le continuer. On l'écoute. Continue. En attaque, Toko Ekambi, Mumi Ngamale, Mbemo Brian, Ngom Jérôme, Ganago Inatus, Baoken Stéphane. Voilà les 22 joueurs qui sont à la liste pour le match contre le Mexique le 10 juin. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Applaudissez pour le coach, le capitaine Courage. Cette fois-ci, il a fait l'effort de donner la liste sans mettre la hache sur les noms des joueurs. Bon, je n'ai pas compris certains noms-là. Comment on les appelle encore là? Gars, comment on les appelle là? Il y a Choupo Shooting. Quoi? Choupo Shooting. Voilà! Choupo Shooting. Okay. Il y a encore un autre là, comment on l'appelle? Gars, comment on l'appelle encore là? Il y a Aboubakar 25. Quoi? Il y a Aboubakar 25. Voilà! Aboubakar 25. Et aussi Onana. Ils sont où? André n'a pas de problème en ce qui concerne nous, le staff. Et même, je dis, des dirigeants au niveau, comme ça a été dit, André reste le joueur auquel je dis on a besoin. Il a été juste sanctionné, pas suspendu, parce que je dis, je pense que je parle bien français. Il a été sanctionné par rapport à une attitude, mais il n'a pas été supprimé. Je ne comprends pas, tonton. À la grande surprise, nous on a vu aussi dans les réseaux qui voulait lui-même se mettre de côté. Papa. Ah bon, papa? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais c'est ce qui est le mieux, parce qu'on ne va pas revenir dans les détails. Ça reste le joueur important pour nous. C'est lui seul qui sait ce qu'il a à faire. Je l'ai dit la dernière fois, lors d'une conférence, les portes sont ouvertes et il est le seul à savoir ce qu'il a envie de faire. Et je vous donnerai même une comment je dirais ça? Non, pas laissement. Ça doit être une exclusivité. Une exclusivité que vous ne connaissez pas, parce que tout ce qui est dit dans les réseaux n'est pas toujours la réalité. Ah bon, hein? La réalité, c'est quoi, tonton? Est-ce que vous savez que j'échange avec lui? Quoi? Vous ne le savez pas. Notre intérêt, c'est quoi? Nous, on veut le voir dans l'équipe nationale. Ça, c'est clair. On échange. Et là, c'est entre, hormis de ce que je représente, ses grands frères, petits frères. Mais il sait lui-même ce qu'il a à faire pour qu'il soit intégré dans le collectif. Parce que ma posture en tant que manager sélectionneur, je préserve le collectif à l'individu. Et il le sait. Et les portes sont très ouvertes. Il n'y a pas de souci à ça. Il est toujours la bienvenue, mais c'est à lui de faire l'essentiel. Ah bon? Il y a Aboubakar 25. Voilà!
Aboubacar Vincent. En ce qui concerne Aboubacar Vincent, vous savez très bien qu'il y a eu un souci dans leur pays, en Turquie. Ça a bouleversé tout le calendrier. Aboubacar, il joue un match important le 7. Alors, je me vois mal pourquoi est-ce que un match qui est important pour lui le 7 et que je fasse venir un cadre qui va partir le 8 pour arriver le 9 et jouer le 10. Il faut être raisonnable. En même temps, c'est le capitaine qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de voir. On connaît déjà ses qualités et ce qu'il peut apporter. Le plus important pour moi, c'est le match de septembre. Mais ça donne aussi une ouverture de pouvoir voir les autres. Parce que, vous savez, c'est capital pour nous, le mois de septembre. Et le fait qu'Aboubacar ne soit pas là, c'est pas plus mauvais que ça. On aurait souhaité qu'il soit là, mais nous sommes aussi confrontés à la réalité des règles de la FIFA qui font en sorte qu'il ne peut pas être là. Voilà, Choupo Shooting. Maxime, vous l'avez constaté vous-même, qui a été toujours blessé ces derniers temps. Bah, il est entré l'autre jour, il a fait... Non, tonton, ça va. On connaît la suite. On comprend que Choupo fuit la honte. Le gars fuit la honte. Bref, nous attendons le match de septembre. Ça, c'est juste un match amical. Bien que ça compte beaucoup pour nous. Mais, comme vous avez dit, en septembre, on attend Choupo et Aboubacar, ainsi que Onana. Parce que les trois là, qui se rappellent de la remontada à Olembe en quart de finale. Non, en demi-finale. Quart de finale sans Choupo. On a parlé que dès qu'on les a mis avec Aboubacar, Onana, vous-même vous avez vu. Nous avons occupé la troisième place. Et si cette toile était là depuis le début, la CAN serait restée au 237. Donc en septembre, monsieur le coach, faites l'effort que les trois là, nous soyons ensemble. Parce que nous voulons aller en Côte d'Ivoire. Ok. C'était le général Franco. Partagez-moi cette vidéo, les gars. Pause publicitaire. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Le Mignon, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousso, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37 85 697 39 27 28. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.